tu sais que là, je viens directement de la salle, j'étais avec Lucas. Ah ouais? S'entraîner. T'as la foi. Je suis morte. Bon, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Et bah, je te mets la culottée de ta vie. Tu penses? Ouais. Vas-y, on va voir. Je suis née pour briller dans l'escalade. C'est pas chiant. Je le sens, regarde. Déjà, juste la paire de chaussures, quand même, va trop bien. Grave. Chaussures de près, là, incroyable. T'es un menteur, ça me va pas. Bon, on était quand même là pour faire de l'escalade de base, là. On est parti dans un débat. Grave. Stylistique. On s'échauffe? Ouais. Après, est-ce que tu peux nous dire vite fait les règles pour eux? Parce que moi, je les ai comprises. Ouais. T'as capté, ça fait une fois que je fais de l'escalade, mais je vais en faire mon sport bientôt. Ah, bah, les règles, c'est simple. Après, je vais montrer, mais on a des petites vignettes. Bon, parfois, malheureusement, elles sont cassées, donc elles tombent. On les voit pas trop, mais on a des petites vignettes qui annoncent les mains de départ. Là, par exemple, c'est le blanc. Le blanc, c'est B3. Donc du coup, les mains de départ doivent être là. Ouais. Là, là, il va vous expliquer après c'est quoi B3. Voilà, exactement. Mais d'abord, on est sur les languettes. C'est les mains de départ. Ouais, et donc pour main, pouvoir, main. C'est ça. Il faut avoir les deux mains du coup, sur les mains de départ et les deux pieds décollés. Donc main, pour commencer, main. On ne peut pas faire ça et sauter du sol pour aller chercher. Ouais. On est obligé d'avoir les deux mains, d'avoir les pieds décollés. Et là, le départ est validé et on continue. Et pour valider la fin, il faudra la toucher avec les deux mains. Et la fin de celle-là, par exemple, c'est celle qui est là. Celle qui est là, et la on le sait prise. Pourquoi, parce qu'elle est à côté du B3, c'est ça? C'est ça, exactement. C'est pour ça que dans les autres, c'est la même chose. Genre, par exemple, là, c'est le noir. Quoi. Ouais, ça, c'est B7. B7, c'est noir. Ok, vas-y. Voilà. On a compris. Là, c'est bleu, par exemple. B10. Vous avez compris? Bon. C'est sur ta tête, elle sera bien, bien proche. Vous avez compris. Bien proche. Même pas net. Je te jure. Ensuite, est-ce que tu peux nous parler des couleurs? Parce qu'en fait, il y a quelqu'un qui m'a lâché un commentaire sur Insta. J'ai écroulé de rire. C'était horrible, mais c'était très drôle. Il a dit, et comment on fait si on est daltonien? Mais... il a raison, mon frère. Alors. Il a raison. Oui et non. C'est archi chaud. Oui et non. Par rapport à cette salle, pour savoir quelle prise on peut utiliser, il faut regarder le niveau. Et comme B3 c'est la blanche, on peut utiliser que les prises blanches. Les blancs, voilà. Et à exception, parfois on a des trucs comme ça qui s'appellent des volumes, qui sont tout gris, qu'on a le droit d'utiliser comme les gros là-bas. Voilà, ouais, c'est ça. Y en a un. Et ceux-là, on peut les utiliser à foison. Ouais. Et à contrario, on a des prises grises comme celle-là. Ah, c'est les prises d'Harry Potter, j'appelle ça. Et bah ça, c'est pas des prises qu'on peut utiliser, c'est des prises de sécurité pour pouvoir redescendre. Pour redescendre. Ou au cas où on est fatigué, on l'attrape et on descend. Vas-y. Donc faut faire la différence. Ok, ouais. Donc si on est des gens raisonnables, normalement on commence par le 1 et après on fait le 2 et c'est le 3 et le 4. Voilà. Jusqu'au bien s'échauffer jusqu'à ce qu'on s'explose. Je le dis solennellement. Je vais, non, c'est bon, t'inquiète. Ouais, c'est bon. Je vais aller jusqu'au B12 aujourd'hui. Ok. Je suis qui moi? Je suis qui moi si je fais pas jusqu'au B12? Je suis qui? Hein, vous voyez cette personne là? Je vais le battre. Paris tenu. Donc là, vas-y, regarde, je te montre un peu c'est qui la. La boss. C'est qui la boss de l'escalade là. Voilà, vraiment très simple. Hein, Et après, pour finir, du coup. Tu valides avec les deux mains la dernière. Voilà. Et là, c'est bon. Et là, c'est validé. À ton tour, Teddy. Vas-y. Allez, ouais. B1. On n'est pas sûr que Teddy y arrive. Hein. Ouh là là. Voilà. Ah ouais. Est-ce qu'il y a un B2 qui traîne quelque part? B2. Bah, putain, va falloir qu'on fasse le tour de la salle. Hein. On va pas avoir de B2 alors là, tu vas tout gâcher. Ah, regardez, il y a un B1. Ouais, mais là, c'est un B1. Ah, il y a peut-être un. Attends. Donc, on va devoir passer du B1 au B3. C'est pas grave, on retourne. C'est pas grave, on fait B3. Allez. On voulait faire les choses dans les règles de l'art, mais. Donc là, on a dit les deux mains. C'est ça. Comme ça. Ouais, là, le départ est validé. Hein? Là, c''est bon. Oh! Ah, il est là. Ouais, t'as une prise juste à. Voilà. Il est chelou celui-là un peu, non? Ouais, après, t'as pas lu le bloc avant d'y aller. Bon, t'as pas vraiment... J'ai carrément pas lu du tout. Mais t'as pas vraiment besoin de le lire, en vrai, il est simple. Quand t'as l'habitude, il est simple. Je précise, allez. B3, c'est pas facile. Oui, oui, non, mais oui. Il faut pas minimiser les pertes des gens. Ah, bah, ah oui, putain, ça je l'ai pas dit. Mais en gros, nous, on est en B, c'est ce que je disais, donc de B1 à B14. Mais dans d'autres salles, c'est les couleurs. Ouais. Et en fait, au final, je reviens au mec qui est daltonien. Bah en fait ça change rien parce que du coup ils te le disent oui, en fait c'est les ouais c'est non les mais c'était couleurs. La vanne qui était horrible ouais, la vanne était marrante c'est vraiment FDP toi c'est ouais. Du coup voilà puis j'ai dit tu iras en enfer en jet privé avec un cocktail dans la main droite c'est sûr. Mais voilà en tout cas c'est marrant. Ok voilà donc là on est censé passer au quatrième mais je sais pas s'il y en a un. Alors là il y a un B4. Ah ouais tiens voilà. Attends, il faut que je l'étudie ça. Vas-y, tu montre-moi en train d'étudier. Hmm.
mains qui glissent, je pense, un peu. Et ben, faudra mettre de la magnésie. Ouais. Allez, voilà. On voit la main droite. J'ai la main qui glisse. Ouais. T'inquiète, ça va le faire. Main gauche. Ouais, je sais pas, hein. Allez, on voit main gauche. Voilà, monte le pied droit. Et tu vas dans la dernière. Voilà. T'es tellement forte que t'as pas utilisé le pied droit qui était sur... Mais tu sais que c'est quoi ça quand même. Bah. On est là, on parle de 4, mais... Bah, c'est pour ça qu'en fait, faut pas minimiser de ouf les niveaux. C'est clair. Ça commence à être dur. T'as utilisé le truc là, toi? Ouais, moi j'ai utilisé. Ah ouais. Pour ça, je t'ai dit, toi, tu l'as même pas utilisé. Ouf, j'ai même pas utilisé. Ouais, c'était allé là direct. Non, mais moi quand j'arrive après là-haut, j'ai mon cerveau, il s'est déconnecté en fait. Ouais, c'est pour ça, avant, il faut essayer de lire le bloc. Ah, j'avais même pas vu. Bon, après, parfois on lit le bloc et au final, on oublie. Il y en a un 5 ici. Regardez mes chaussures, comment elles sont trop fraîches. Alors, si tu veux, on peut essayer ce 5 là, mais c'est du dévers. Donc le dévers, en gros, ah, c'est ça, que j'adore. C'est. C'est un mur, oui, c'est pour ça. Ah ouais, vas-y, c'est un mur négatif. La magnésie. Vas-y. Ah non, elle est là-haut. Prends la mienne. Comme ça, tu vas voir la différence entre la Décathlon et celle-là. Ah, c'est vrai, c'est bizarre. Ouais, c'est pas la matière est différente. Que l'autre. Ouais, ouais, t'as raison. En fait, celle-là. Agréable. Ouais, voluptueux, j'allais dire. Ouais. Bah, je dénigre pas Décathlon, c'est très bien. Mais la maille de Décathlon. C'est vrai qu'elle elle est vraiment sèche beaucoup plus. Ouais, et j'aime pas la sensation. On dirait qu'il y a une petite poudre sur les mains. Ouais. L'autre, ça fait pas ça. Voilà. Et bah là, c'est tu verras que du coup, oh, au toucher. De l'argent à 1000 euros là. De ouf. Je fais un. Attends. Placement de produit, cette vidéo n'est absolument pas sponsorisée par 1000 euros. Mais ils peuvent nous envoyer de l'argent si. Ouais. Ouais, tout dans les bras. Tu sais que tu peux utiliser tes jambes, hein? Oui, c'est vrai. Moi, j'allais tenter direct, hein. Allez, les deux mains. Voilà. Validé. Ouais, je vais descendre quand même. Parce que je suis une daronne maintenant, tu connais? Et du coup, sauter, c'est pas ouf pour toi. Si, mais pas d'aussi haut. Bien. Bon, jusqu'ici, je suis quand même encore en train de battre Teddy. Ah, mais moi, tu vois, je vais pas me fatiguer vite, je vais utiliser mes jambes. Donc ça va. Mais j'ai déjà les jambes fatiguées, en fait, c'est ça le truc. Ah ouais? Ah ben oui. T'es fou. Mais je reviens après, de la salle, j'ai fait du back squat. T'étais avec Lucas avant, donc ouais. Oh. Comme j'ai la flemme de descendre, je saute. un 6. Alors attends, bouge pas. Parce que celui-là, il a l'air bien casse-couille quand même. Alors attends, bouge pas. Ouais, t'as compris, hein. Tu peux commencer à l'envers aussi si tu veux. J'ai pas le choix, c'est bon. Je sais pas comment je l'aurais commencé, mais. Bah, pas comme moi du coup. Ça va, tu t'en sors bien. Oh my god. Oh là là, pff, les prises de merde comme ça, je déteste ça. Moi, j'ai pas les doigts pour ça, quoi, tu vois. Allez. Ah non. Ouais, voilà, mets ton pied ici et tu mets le pied droit là où t'avais mis le pied gauche. Comme ça? Ouais, c'est bien. Putain. Et tu peux, ouais. Remonter les pieds, du coup. Monte le pied gauche. Puis le pied droit, ou alors t'envoies la main droite avant. Je sais pas si je vais arriver. T'arriverais à envoyer la main gauche au pire? Ah ouais, moi aussi tu vois t'arrives. Je me dis je sais pas si tu vas y arriver, tu l'as fait comme si de rien n'était. Attends. Allez, mets ton pied devant. Je suis du père. En face de toi, ouais, sur la prise qui est plus haute. Quoi? En face de toi là, la prise orange là. En... Non, devant ta tête. Non, oh, je peux pas. Ah oh, je peux pas, je t'ai coincé. Là. Là. J'ai encore réussi à me péter un ongle, comment j'ai fait? Ouais, c'est ça l'escalade. Mais ouais. Attends, donc, tu me disais quoi? Attends, j'ai pas compris. En gros, quand t'étais là dans les airs, d'envoyer ton pied pas là, mais là. Mais du coup, ouais, moi j'aurais commencé, tu vois, comme ça. Et après, hop. Ah. Ah, j'avoue, c'est des bâtards. Hein. Mais tu vois, il dit ça, mais il va y arriver, c'est ton pied. Et tu vois, quand t'étais comme ça,
de te mettre là. Ah, c'est ça que j'ai pas réussi à faire. Ouais, ouais, je... Bon, ok, allez. Attends, je suis obligée de le refaire. Ouais. Attends, comment t'as démarré? J'ai pas regardé. Du coup, attends, tiens, je vais te montrer. Tu tends bien ton bras droit, comme ça t'as un appui. Celui-là, tu le mets, tu le plies, t'envoies le genou et la hanche. Et après, tu peux décoller. Et celle-là, elle sert à rien. Juste à valider le départ. Ah, tu touches juste. Ok, ok, je vais essayer. Ouais. Je te promets pas parce que tu veux des trucs de Spider-Man là. Mais tu vas y arriver. T'es Dounia, non? Comme ça? Voilà, nickel. Et là, tu pousses vers le haut. Voilà, parfait. Tu peux mettre ta main sur le mur rouge hein, si tu veux. Ouais. Attends. Voilà. Voilà, moi, c'est ça que j'ai fait. Suite, pied gauche. Là. Voilà, nickel. Tu vas chercher la main gauche qui est au-dessus de ta tête. Ok. Voilà, la main derrière à droite. Voilà, tu remontes le pied gauche. Voilà, tu vas chercher en haut, main droite, comme tu as fait tout à l'heure. Allez, ouais. Voilà. Donc le pied en face. Et tu vas chercher la prise qui est à gauche. Et la fin. Renvoie en mode traction un peu. Ouais, ça va. Allez. Voilà. Voilà. T'as raté la première fois tout ça parce que t'as pas lu le bloc. C'est tout. Je suis pas une meuf patiente, moi. Ouais. Ah, putain. Ah, c'était bien. Ouais, t'as vu, c'est cool. Hein. C'est quoi le prochain? Who's next? Prochain B7. Sauf si tu veux retenter un autre B6. Si, mais il me faut au moins 10 minutes de repos là. Ouais, voilà, exactement. Faut bien se reposer entre chaque bloc. Vas-y, on se repose. La pause est finie. Je dis ça à mes avant-bras. Ouais. Oh. Oh là là, toujours plus. Ça va le faire. Alors, ouais, et faut que tu mettes. Hein? Faut que tu mettes ce qu'on appelle une contre-pointe. Attends, qu'est-ce que ça? Ouais, et en gros, c'est ta pointe en dessous. Hein? En gros, ce qu'on appelle une contre-pointe, attends, je sais pas si on va voir, c'est que du coup, t'as la prise comme ça et tu viens te bloquer comme ça pour retenir. Putain, vous êtes des êtres intelligents ou? Voilà. Putain, heureusement que tu me l'as dit, j'aurais jamais pu deviner tout ça. Ouais, et c'est pour ça, du coup, ça m'a fait ça, rire. Ça, j'ai le droit? Non, pas celui-là, pas celui-là. Oh, le bâtard. Celui-là, t'as pas le droit. Donc, je fais quoi? Un grand écart, genre? Ouais, voilà. Parce que celui-là, il fait partie Mais je vais où, après? C'est vrai que je l'ai pas analysé, mais... Tu peux ramener les deux mains sur... T'analyses que quand ça t'arrange, hein? Voilà. Allez, envoie la main droite. Max, c'est dur. Vas-y, vas-y, go, go, do it. Vas-y, je vais voir. Oh. Il est un peu horrible à tenir. Oh mon Dieu. Tu vois, celles-là, elles sont horribles à tenir. Bah, ça tombe bien parce que je suis pas arrivée. Je me suis arrêtée là donc. Allez. Pied gauche. Pied gauche, ouais, mais faut que tu mettes la pointe en haut de la prise. Voilà. Là, c'est mieux là. Là, tu vas mettre poser pied droit, ouais. Va chercher main gauche d'abord. Main gauche où? À gauche. Ah oui, là. Voilà. Main droite. Voilà. Et là, t'envoies dans la dernière. Je peux pas. Impossible. Ça fait trop peur, gros. Bah, je te l'ai dit. Je vais tomber, mais... C'est là où c'est chaud. Bah oui, non, c'est impossible, je peux pas. Alors là, je t'explique. Je suis capable de faire beaucoup de choses. Beaucoup, beaucoup de choses. Mais ça, c'est mort. Ok? Jouer avec ma vie, là, comme ça, c'est pas possible. Mais j'étais très bien placée, mais ouais, ça... T'étais super bien placée. On peut dire que je l'ai fini ou pas? Je te la valide. C'est ta deuxième séance seulement, je te la valide. Franchement, j'ai trop peur. Là, c'est la peur. Non, mais oui. J'ai trop peur. J'ai trop peur de... Je suis placée, mais... Waouh, qu'est-ce qui se passe, quoi? Est-ce qu'on peut passer au 10 direct? Il est très joli. Tu veux essayer le 10? Non. Je sais pas pourquoi, c'est le départ qui doit puer la merde. Il est où, le départ? Les mains de départ sont là, sur le côté. Ouais. Ça m'aurait très étonné que ça soit ailleurs. Ouais. Alors je pense que le pied gauche c'est pour après.
Ah ouais. Je pense que là, tu démarques pied droit. Ouais. Ou alors, tu peux même mettre le pied gauche là où il y a ton pied droit. Et inverser les mains, je pense. Commencer avec ça, la main. C'est faisable, ça. Je pense que c'est pas... Allez, vas-y. Vas-y, Francky, c'est parti. Mais il est super joli. Il est joli, mais ça c'est qu'il est chaud. C'est le de sport. D'ailleurs, petit instant pub. Allez sur sport, parce qu'il y a des routines d'entraînement et il y a de la nutrition. Et c'est grâce à ça qu'on est des super champions. Alors, attends. Parce que là, je pense que c'est ça. Il est chaud, hein. Ah bah oui, mais c'est ce que tu dis depuis le début. Ah mais lui il l'est. Après tu dis non, finalement ça va. Bah lui il l'est. Waouh ouais. Waouh la dinguerie. Comment tu peux mettre un pied comme ça déjà? C'est ça qu'il fallait faire? Je pense. Parce que moi on m'a pas expliqué ça hein. Je suis pas prêt. Là, comme ça, je peux pas le faire d'un coup. Mais quel bonheur, il a fallu attendre une heure avant qu'il se prenne un mur, ce petit enfoiré. Ah, je suis heureuse, là. Avec on un peu de tous temps. Nuls, il suffit juste que chacun ait son épreuve, en fait. Tu vois? C'est ça. Et ça fait devenir l'effort très nul. Alors qu'il est très fort. Ah, bon. Bilan des courses. Toi, tu t'es arrêté où, au final? Bah là, actuellement, j'ai fait la 8. La 10, là, tu l'as pas faite, du coup? La 10, non. Je vais essayer la 9 blanche. Donc la 9, c'est la... La 9, c'est la blanche. Okay. C'est un sommet qui fait que réfléchir. Ouais, attends. Moi, je vois un mur, j'ai juste envie de grimper, tu vois. Lui, il est là. A plus B égale 12, 12 égale 28. 28 divisé par 2 égale le bloc. C'est un délire. C'est un peu ça. Et mais quand là, t'écouteras les voix que je tape sur les ouais. vidéos, je suis présentatrice, frère. Allez, je t'entends vite fait, mais... Ok. On a la tête qui s'approche du mur. Après avoir fait une brève constatation des faits, oh, la position araignée, petit frôlage du mur, bouh. Ça monte, c'est pas mal. Un petit grand écart. Oui. Oui, monsieur, on se rapproche du mur. Alors là, il va arriver dans une partie vraiment du mur qui est très, très compliquée. Est-ce qu'il va réussir? Est-ce qu'il va pas réussir? Voilà, on sait pas. Là, on est là pour le voir. Ah, une petite transition qui vient tout juste de chez Spider-Man. Ouais, Spider-Man, il a fait tomber un truc d'ailleurs. Je sais pas ce que c'est, des clés de voiture peut-être. Bon, ça monte. Oh là là, Spider-Man est très jaloux, hein, parce qu'on lui a volé toute la technique. Oui. Oui, oui, un pied à gauche, un pied à droite. Oui, la main est bien placée. Oui, la main est très très bien placée. Bravo. Wow, c'est chaud là. C'est un 10 sur 10. Alors, oh, là, on le sent assez fébrile. On le sent en grande difficulté. Grande difficulté. Oui, là, c'est la difficulté qui parle. Hein. Oui, là, c'est compliqué. Alors, est-ce qu'il va trouver? Est-ce qu'il va trouver une solution? Ouais, ben voilà. C'était un beau combat. Là, ouais. Un beau combat. Mais là. Inachevé avec un goût d'inachevé, hein, quand même. Ouais. Ouais. Qu'est-ce que vous avez à dire à ça, Teddy? J'ai le seum. Teddy, parlez dans le micro, s'il vous plaît. J'ai le seum. Fallait vous entraîner, monsieur. En fait, je me suis dit, je vais poser un pied quelque part et tout. Ouais. Et je me suis fatigué, je commençais à congestionner. Je pense que vous devriez passer sur le niveau 2 ou 3, je pense, à terme. Je pense et puis mieux. Après, voilà, comme Dounia, après arriver sur des gros niveaux plus tard, quoi. Ouais. Ouais. Déjà, le niveau 2, c'est chaud. C'est chaud pour moi. Généralement, j'arrive, je fais que des 1 et je rentre chez moi. Bon. Donc là. Bon, et alors, qu'est-ce qu'on fait après là? Parce que c'est. Il y a eu un quiproquo, il y a eu un petit moment de doute, il y a eu. Une petite hésitation qui a été ouais, fatale. Là, ouais. Je sens que ça a été fatal. Hein. Pour le coup, c'est ça qui était fatal. Ouais. Envoyer main droite ou pas, pied ouais, ou pas. Ouais. Et je suis nul, hein, donc du coup, c'est pas passé. Ouais. C'est quoi la solution après, alors, du coup, pour cette connasse-là? Me reposer. Ouais. Et en fait, quand j'ai la main droite, renvoyer main droite directe. Ok, direct. Et je me prends pas ça la Ça part. Voilà, c'est ça. Ok, ça marche. On réfléchit pas, en fait. Dans plusieurs minutes, parce que là, je suis mort. Ok, ça marche. Allez, je te laisse combien, alors? Il est 14h30. 14h30? Oui. 5 minutes? 5 minutes. On se retrouve dans 5 minutes. Ciao. 20 secondes. Ok. Temps de mettre la magnésie et j'y vais. Ten. Ouais. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hop,
Bon, c'est déjà mieux parti que tout à l'heure. Hein. Mm. On le sent beaucoup, beaucoup plus enthousiaste, plus assurant. Voilà, il y a un petit truc en plus là. Là, 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 là. Là, on n'est plus dans Spider-Man. Là, on est, là, on est dans Hulk. Ouais, il y a une certaine rage de vaincre là. Oh, waouh. Mais qui est cette personne? Mais qui est cette personne? Waouh. La fin, elle est là-haut, là. Allez, allez. C'est bouche bée. Voilà. C'est pas celle du haut plutôt? Non, c'est celle-là. T'es sûr? Celle du haut, elle est faite pour boucher. En gros, elle est faite pour boucher. Comme ça, si tu vises mal la prise, eh ben tu loupes. Ah ouais? Donc elle est faite exprès pour ça. Bien joué. Ça y est. Oh, putain. Je vais me reposer encore plus longtemps. Vous êtes embouché? Vous êtes embouché? Ouais. Mais là, je vais me reposer 15 minutes là. Hey, t'as pas menti, hein. Regardez, il a pas menti. Il n'y a pas de vis caché. Ça ouais. Fait. Il a eu le temps de passer, il a mis une minute trente tranquille. Franchement ouais. Et moi pendant ce temps-là, j'ai perdu 11 cales. Ça fait 6 minutes que je fous rien par terre. Je suis posée comme ça. C'est dur. J'attends la fin en fait. C'est bon. Mais ça va, j'ai pas menti. C'est bon, c'est bon. Moi je veux juste courir, faire de la muscu en fait. Ouais. Je sais pas pourquoi je suis venue ici. Pour se donner des défis. Des bons défis. En fait, ce qu'on vous a pas dit, c'est que c'est un professionnel, voilà. C'est un professionnel, voilà, il fait des compétitions. Le gars, samedi, il est en compétition. Il est trop fort, en fait. Et il fait le modeste, mais vas-y. Alors, comment ça, B9, c'est ton niveau? Eh, B9, c'est pas ton niveau, en fait. Encore heureux que tu l'as passé. Bon, je prends ce ton solennel pour vous dire que j'ai échoué. J'ai échoué et j'ai honte. J'ai honte d'avoir déçu ma nation, déçu mon pays, déçu les gens qui me soutiennent. Donc, sachez que je vais récidiver. Je vais battre cette personne. Je vais vraiment réussir à faire le parcours 11. Non, en vrai, je me suis arrêtée au 7 et je vais recommencer. Mais ça va prendre un peu de temps, en fait. Mais je crois que mes doigts, ils sont pas encore habitués. Je sais pas si vous les verrez peut-être pas, mais mes doigts, ils sont pas... Déjà, je perds tout mon vernis. Et mes doigts, ils sont pas encore habitués à ce genre de manip un peu. Ça fait peur. C'est, je sais pas, je suis pas très à l'aise sur ça. Mais j'aime bien l'aspect fort, c'est tout, que ça procure. Donc, je reviendrai pour battre cette énergumène. Ça marche? Restez connectés. Je vais m'entraîner dur dans le dark. Ça, c'est dédicace à tous les athlètes de CrossFit qui se prennent pour des Américains et qui disent qu'ils s'entraînent dans le dark. Je m'entraîne dans le dark et je vais revenir avec des nouvelles prouesses. I swear.